Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bord. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a quelqu'un qui vient d'avoir un accident. C'est pas n'importe qui. C'est une star de la musique. C'est un ami à DJ Arafat. Cette vidéo, cette personne va nous expliquer comment son accident a eu lieu. Écoutons-la vraiment, vraiment très, très, très bien. C'est parti. Aux environs de 2-3 heures du matin, il est rentré à l'hôtel. Il y a eu un accident au niveau du feu rouge Bessinger. Le chauffeur, dont l'identité n'est pour le moment n'est pas encore déclarée à mon niveau, qui a pris la fuite, a perdu le contrôle de la voiture. Et malheureusement, la voiture a fait un tonneau et ça commence à prendre feu. Il y a un taximan qui est venu les extirper du véhicule pour les amener à la cantine. C'est lorsque ils arrivent à la cantine qu'on m'appelle. On me dit qu'il y a une urgence sanitaire, je suis arrivé à m'enquérir de la situation. Malheureusement, il y a une des fans qui est avec eux après le concert qui a perdu la vie. Malheureusement. Et pour le moment, nous sommes en train de faire une batterie d'examen avec les deux autres blessés, parmi lesquels Ténor. Une batterie d'examen pour déterminer réellement l'état dans lequel se trouve en ce moment. Donc pour le moment, on ne peut pas savoir exactement quel est l'état, mais pour le moment, ce que je peux vous dire formellement, c'est qu'il a une fracture au bras et à l'épaule. Et il est conscient à temps partiel. Pour le moment, il est sous sédatif. Qu'on croise les doigts et qu'on prie pour que ça aille, parce qu'on enchaîne seulement des malheurs sur des malheurs. Et je ne vous cache pas que à l'annonce, j'ai plutôt pensé à son défunt ami et frère, parce que c'était la même histoire, c'est qu'après la fête, il y a eu un accident. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce que cette personne vient de dire? Revenez un peu en arrière. Écoutez-vous-moi très bien. Parce qu'on enchaîne seulement des malheurs sur des malheurs. Et je ne vous cache pas que à l'annonce, j'ai plutôt pensé à son défunt ami et frère. Parce que c'est-à-dire DJ Arafat. C'est la même histoire, c'est qu'après la fête, il y a eu un accident. Parce que c'était la même histoire, après la fête, il y a eu un accident. On espère que la fin ne sera pas la même. On espère que la fin ne sera pas la même. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Hé Seigneur, quand j'écoute ça, hein, quand j'écoute ce qu'ils sont en train de dire par rapport à comment le gars a eu accident, je me dis qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. C'est pratiquement la même chose, hein? C'est pratiquement la même chose. Comme Tenor ne voulait pas les motos très souvent, donc il est resté en vie. Bon, on ne sait pas dans quel état il est, mais je prie qu'il reste en vie. Vous voyez? Sinon, là, ce serait la même histoire. C'est comme si les gens organisaient la même chose pour avoir les mêmes effets. Ah! On dit après la fête, genre après le concert. Le monsieur a pris son véhicule, il est allé à ses gars. Et voici que quelqu'un va venir créer un accident. La voiture du Ténor et tout son coup va maintenant faire quoi? Un tonneau. Plusieurs tonneaux. Même prendre feu. Et cette personne qui a créé l'accident va maintenant prendre la fuite. Prendre la fuite. Honnêtement, hein, quand il y a eu l'accident de DJ Arafat, la femme avec qui il a eu l'accident, où elle est? Est-ce qu'on l'a connue? Est-ce qu'on l'a parlé? Est-ce qu'on a eu plus d'informations sur elle? Non. C'est passé comme ça. Maintenant, on dit que la personne a aussi pris la fuite. On dit maintenant qu'il y a eu un mort. Et l'une de ses femmes qui l'a accompagné, celle qui est décédée.
Et le monsieur dit, j'ai peur, quand j'ai reçu l'information, j'ai eu peur que ce soit la même chose avec ce qui s'est passé avec lui, avec son ami, collègue, c'est-à-dire Didier Arafat. C'est comme si on disait que les mêmes ennemis de Didier Arafat, ce sont les mêmes ennemis qui sont derrière là, derrière Ténor. Si ce sont les esprits, c'est que ce sont les mêmes esprits. Si ce sont les esprits, c'est que ce sont les mêmes sorciers. Puisque ça se ressemble. Ça se ressemble, non? Vous-même écoutez encore, écoutez vous-même, écoutez vraiment vous-même. J'ai compris pour que ça aille, parce qu'on enchaîne seulement des malheurs sur des malheurs. Et je ne vous cache pas que à l'annonce, j'ai plutôt pensé à son défunt ami et frère, parce que c'était la même histoire, c'est qu'après la fête, il y a eu un accident. On espère que la fin ne sera pas la même. Et le monsieur dit, on espère vraiment que la fin ne serait pas la même. La fin par rapport à Didier Raffat, malheureusement, ça a été son décès. Seigneur Jésus. Ce matin, à mon réveil, j'ai été bousculé par un lien qui me menait vers la plateforme Facebook indiquant que l'artiste Ténor avait eu un accident de la circulation. Voilà, j'ai tout de suite été bousculé parce que Ténor était un ami, c'est un frère. Tout de suite, je me suis dépêché vers l'hôpital où avec le manager, voilà, le manager nous a donné les premières informations sur son état et tout ce que je peux demander à tout le monde, c'est vraiment prier. Tout ce que je peux demander à tout le monde, c'est vraiment prier. Mes frères et sœurs, prions pour le gars. Prions sérieusement. Quand Dieu arrive comme ça, c'est vraiment très triste. Et quand de coup Dieu arrive comme ça, c'est vraiment très triste. Ça, c'est une autre personne qui parle. Et nous sommes pas prêts. Vous voyez un peu. Nous ne sommes pas prêts. Surtout que, vu son mentor, celui qui l'aimait, et quand ça arrive comme ça, là, il y a les mauvaises intentions. En fait, je pense que vous êtes en train de comprendre. Donc, du coup, ce n'est pas bon. Et je viens d'avoir un soutien à un ami, à un petit frère, à un talent et à un frère camerounais. Aux environs de. Là, je vous laisse écouter du début jusqu'à la fin. Écoutez-moi très bien. Aux environs de 2-3 heures du matin, il est rentré à l'hôtel. Il y a eu un accident au niveau du feu rouge Bessinguet. Le chauffeur, dont l'identité n'est pour le moment n'est pas encore déclarée à mon niveau, qui a pris la fuite, a perdu le contrôle de la voiture. Et malheureusement, la voiture a fait un tonneau. Et ça commence à prendre feu. Il y a un taximan qui est venu les extirper du véhicule pour les amener à la cantine. C'est lorsqu'ils arrivent à la cantine qu'on m'appelle. On me dit qu'il y a une urgence sanitaire. Je suis arrivé à m'enquérir de la situation. Malheureusement, il y a une des fans qui est avec eux après le concert qui a perdu la vie. Malheureusement. Et pour le moment, nous sommes en train de faire une batterie d'examen avec les deux autres blessés, parmi lesquels Ténor. Une batterie d'examen pour déterminer réellement l'état dans lequel se trouve en ce moment. Donc, pour le moment, on ne peut pas savoir exactement quel est l'état, mais pour le moment, ce que je peux vous dire formellement, c'est qu'il a une fracture au bras et à l'épaule. Et il est conscient? Il est conscient, pas à temps partiel. Pour le moment, il est sous sédatif. Qu'on croise les doigts et compris pour que ça aille, parce qu'on enchaîne seulement des malheurs sur des malheurs. Et je ne vous cache pas que, à l'annonce, j'ai plutôt pensé à son défunt ami et frère, parce que c'était la même histoire, c'est qu'après la fête, il y a eu un accident. On espère que la fin ne sera pas la même. Ce matin, à mon réveil, j'ai été bousculé par un lien qui me menait vers la plateforme Facebook indiquant que l'artiste Ténor avait eu un accident de la circulation. Voilà, j'ai tout de suite été bousculé parce que Ténor était un ami, c'est un frère. Tout de suite, je me suis dépêché vers l'hôpital où avec le manager, voilà, le manager nous a donné les premières informations sur son état et tout ce que je peux demander à tout le monde, c'est vraiment prier. Quand le coup Dieu arrive comme ça, c'est vraiment très triste et nous sommes pas prêts. Vous voyez un peu? Nous ne sommes pas prêts, surtout que, vu son mentor, celui qui l'aimait, et quand ça arrive comme ça, là, il y a les mauvaises intentions. En fait, je pense que vous êtes en train de comprendre. Donc, du coup, ce n'est pas bon. Et je viens d'avoir un soutien à un ami, à un petit frère, à un talent et à un frère camerounais. Mes frères et sœurs, voici ce que je viens d'apprendre vraiment.
Quand j'entends ça, moi, ça me rappelle l'accident de Didier Arafat. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dès que j'ai une nouvelle information, je fais une vidéo, voilà, spécialement pour ça. Il n'est pas bien de voir quelqu'un mourir, mes frères. C'est triste que cette fille ait laissé la vie. Que Dieu puisse sauver le reste. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la prochaine, ne manquez pas la prochaine information. Sur, bien sûr.